par contre il est arrivé super vite. Ah, et il a mis 2 jours. Merci VC Gundam Taiwan. Et lui, il nous a coûté 210 bahts. Ce qui nous fait 5,70€. Alors qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que ça va être... Oh putain, un petit QC. Quality check. Franchement, pas mal. C'est pas aussi bien que sur la photo. Hein. Allez, bonne lecture. Allez, c'est parti mon kiki. Alors, on commence par la tête. Et où la tête? Il s'appelle 4, il s'appelle 4, tout ça. Bon, bah, je sais pas ce que ça va donner. Ah merde, il y a encore un truc à mettre. 22. C'est ça. Et ça va où? Ça d'abord. Comment je le mets? Ah, je le mets dedans. Parce que c'est sa mimine. Dans.
Alors là, c'est mieux. Ensuite, la petite vidéo F. Il y en a plein de F. Ben, c'est pas facile hein. De mesure. Alors, ça progresse. Alors, il me
A10 à 2. Bah, je suppose que c'est deux dernières. A10 à 2. Ok. Donc A10 c'est comme ça. A2 est comme ça. Et ça s'emboîte. Ah ok. 5 c'est le machin bleu là. Sur le bouclier. Allô. Alors, le 1 va dans le body. What? Que ça? Ouais. Ça prend forme. Ensuite, les petits bras. Un qui va là. Ça me plaît bien tout ça. Ah ouais, si c'est stylé. Bug. Quoi ça bug? C'est chaud, hein? C'est chaud, mais presque.
Ok. Donc, toujours est-il. Comment? Gundam. Donc le gagnant du jour. Parce que Shenron en kit, c'est con, il est pas mal. Le socle, pas top du tout. Il n'y a pas photo, hein. Gundam gagnant.